vidéo que je n'avais pas du tout, mais du tout prévu de faire. Tout simplement parce que je pensais que je n'allais pas recevoir cette box. Qu'est-ce que c'est donc? Alors déjà, j'ai reçu là. J'ai reçu là-dedans, je pensais que c'était un produit que j'ai commandé sur AliExpress, mais pas du tout, en fait, c'est là. Lip Monthly. Oui, alors dans la dernière vidéo, vous avez vu, je vous avais dit qu'en fait, mon abonnement de 4 mois était terminé, et ce matin, j'avais ça dans ma boîte aux lettres. Donc, il va falloir que je m'attarde sur le site pour savoir pourquoi j'ai reçu ça, parce que je pensais que c'était un abonnement que de 4 mois. Donc, je ne sais pas trop, donc on va voir, mais en attendant, hein, on va regarder ce qu'il y a dedans, puisque je l'ai reçu maintenant. Du coup, je devais remettre du rouge à lèvres, et je me suis dit, bah, je vais pas remettre du rouge à lèvres, et j'essaierai un rouge à lèvres de cette box, hein, après tout. Voilà, voilà, donc, on va regarder ensemble ce que c'est. Donc, c'est la box de décembre. Voilà, j'avais même pas vu que j'avais reçu un mail comme quoi j'allais la recevoir ni quoi que ce soit, donc je ne sais pas trop. Enfin bref, à première vue, la box a pour un total de 68$ et on va voir ça ensemble, hein. Allez, premier produit que je pioche, c'est ceci. Alors ça, c'est pas un rouge à lèvres, c'est sûr, ou alors il a une forme étrange. Non, c'est de la marque Ikari que je ne connais pas du tout. C'est un blush et c'est la teinte Tango, donc c'est cool, moi j'aime bien, on soit toujours... un produit qui n'est pas lèvres, donc qui peut être yeux, etc., etc. Là, c'est blush. Donc, ça tombe très bien. J'adore les blushs, donc au top. Alors, ça se présente comme ceci. La couleur a l'air plutôt jolie dans le retour caméra, là-bas. On va regarder ça ensemble. Ah oui, la couleur, elle dépote quand même. Je ne sais pas si c'est pigmenté autant que... oui, effectivement, c'est très pigmenté. Ouais, il est très joli. Regardez-moi ça. Ouais, la couleur est plutôt jolie. Ça a une petite odeur, mais assez sympa, donc ouais, pourquoi pas. Ce produit m'a l'air cool, donc à tester sur les joues ce qu'il donne. En attendant, j'aime beaucoup sa couleur, c'est un petit pêche rosé assez sympa. Et ce produit, il vaut donc 15$. Voilà. Ensuite, deuxième produit que je pioche, c'est ceci, encore et toujours. J'ai l'impression que la Lip Monthly adore Bombshell, Bio Bombshell. Donc encore un produit de la marque Bio Bombshell. C'est un lip crayon et c'est la teinte Haute Dame. Alors, ça ressemble à quoi? Donc c'est comme ça, moi je suis pas particulièrement fan de ces petites choses-là. Donc c'est une teinte qui est orangée. Un petit orange comme ça. Je vais vous le mettre où? Je vais vous le mettre là. Ouais, non, la teinte, elle paraît vachement orangée sur le truc, mais en fait, c'est un rouge un peu orangé, corail, il est plutôt joli. Ouais, il est plutôt, cette couleur-là est plutôt jolie. Il a l'air plutôt pas mal, il a l'air mat en plus. Donc, pourquoi pas. Alors, on va voir les autres produits, et puis je vous dirai lequel je vais essayer. Hein. Donc, ce petit produit vaut 16$. Ensuite... il reste deux produits dans cette box. Il reste ceci. Donc ça, c'est un rouge à lèvres, un vrai rouge à lèvres. Voilà, un raisin, quoi. Pour une fois, c'est de la marque Mimimi. C'est une marque que je ne connais un petit peu. C'est les Thalia et Longwear Satin Lip Cream. Donc c'est un rouge à lèvres satin longue tenue. Alors, on va voir ça un petit peu ensemble. C'est la teinte 01 Morello Silk. Donc ça se présente comme ceci, ils sont très jolis, je ne sais pas si vous allez voir, si vous voyez sur le bas vous avez des petits un petit côté mat et satiné, c'est très joli avec des arabesques. Waouh, 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 waouh. Alors ça c'est de la teinte, ça c'est de la teinte, il est hyper foncé, attendez, hop, ah bah il n'est pas si foncé que ça en fait, ah oui. Vous voyez, il paraît très foncé, mais en fait, c'est un prune. Je voyais plus un marron foncé, moi. Mais en fait, c'est un prune. Qui a l'air très joli aussi. Ouais, bah pourquoi pas. La teinte est jolie. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus foncé, mais au final, non. Et ça, ça vaut 15$. Et le dernier produit de cette box, c'est un tout petit produit comme ça. Il n'y a pas de marque au-dessus. Il y a une marque en dessous. Cream Blush. Donc, c'est un blush cream. C'est une marque naturelle et organique. C'est H. Petite pensée pour Uriel, je vous mens pas, c'est écrit H dessus. Petite pensée pour Uriel, d'ailleurs Uriel, je vais t'envoyer un MP après, savoir si toi aussi tu l'as reçu ou pas, parce que je sais que tu avais pris le même abonnement que moi. Donc ça se présente comme ceci. Alors, avec les ongles, c'est pas évident. Donc c'est un blush crème, je suis pas particulièrement fan des blush crème, mais celui-ci a l'air assez sympa. Il est vraiment très léger.
Avec les ongles, c'est pas évident. Il est vraiment très léger et ça donne une petite couleur assez sympa. Il fait un peu effet poudre une fois qu'on l'a posé. Ce que je reproche la plupart du temps au blush crème, c'est que c'est trop gras. Mais celui-là, il fait un peu effet poudre, donc il a l'air assez sympa. Donc je sais pas si c'est la teinte H ou quoi, mais... Ouais, bah écoutez, je testerai ça et je vous en dirai des nouvelles parce que je connais pas du tout du tout. Et qu'est-ce qu'ils disent de ce petit truc? Donc c'est, alors en fait, c'est la marque Eveline Lona. C'est www.evelinelona.com. C'est un lip chink tint. Donc pour le blush, ils mettent lip. Ah d'accord. Donc on peut le mettre sur les deux, ouais, pourquoi pas. Et ça vaut 22$ ce petit machin là, ce tout petit truc là. C'est pas possible, c'est tout rikiki. Ah sample, donc ça c'est un échantillon. Ça c'est un échantillon et le vrai vaut 22$. Donc ça fait pas, ouais, en fait, ouais. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait retrouver dans cette Lip Month Lip Box. Bah écoutez, assez sympa. Il y a deux trucs pour le teint et deux trucs pour les lèvres en fait au final. On va essayer lequel? On va essayer celui-ci? Ouais, allez, on va essayer celui-ci. Mon petit miroir. Celui de la marque Mimimi, là, qui a l'air plutôt joli. Alors, je prends mon miroir et on y va. Ouais, l'application n'est pas ce qu'il y a de plus facile. Ça fait des jolies traces au top. Ouais, et la couleur est jolie. J'aime bien la couleur, par contre, ça fait des traces et ça file direct dans les plis. Donc ça, c'est pas cool du tout. J'ai intérêt de mettre une bonne base en dessous pour éviter qu'il se barre parce que... Après, la texture, elle est... Ouais. Il est sympa, mais voilà, dès que je bouge les lèvres, ça file dans les plis. C'est pas forcément très agréable. Donc voilà, bah écoutez, je vous en dirai un peu plus à l'utilisation de ces rouges à lèvres un peu plus tard, bien entendu. Et puis, bah, si vous l'avez reçue, cette box, bah, dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. Je vous mets le lien en barre d'infos si jamais vous voulez la commander. On ne sait jamais. En attendant, moi, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très très bientôt.